Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite révision des accords complexes sujet-verbe. Lorsque le sujet est séparé du verbe par un pronom personnel, deux cas de figure se présentent. Le sujet peut être séparé du verbe par un pronom personnel complément d'objet, COD ou COI. Les pronoms personnels me, te, le, la, l'apostrophe, les, leur ne sont jamais sujets. Par exemple, le chien me suit, suit s'accorde avec le chien, me et COD. Je le poursuis. Poursuit s'accorde avec je, le et COD. Il leur pardonne. Pardonne s'accorde avec il, le sujet, leur et COI. Par contre, avec les pronoms personnels nous et vous, il faut bien faire attention et vérifier s'il s'agit de sujet ou de complément d'objet placé entre le sujet et le verbe. Par exemple, dans la phrase nous apporterons des chocolats, nous et sujet, le verbe apporteront s'accorde avec nous. Par contre, « Ils nous apporteront des chocolats », c'est « il » qui est sujet. Attention de ne pas accorder « apporteront » avec « nous », qui n'est que COS. De la même manière, « vous croyez à son aventure », « vous » est sujet, « croyez » prend « ez », accordé avec « vous ». Mais dans la phrase « la jeune fille, vous croyez », c'est la jeune fille qui est sujet, « vous » est COD, « croyez » s'accorde donc avec la jeune fille. Si le sujet est séparé du verbe par un groupe de mots, il faut se poser la question de savoir si le ou les groupes de mots qui précèdent le verbe peuvent ou non être supprimés, sans pour autant perdre le sens de la phrase. Par exemple, dans la phrase « Gavroche, très jeune parmi les insurgés, se démène comme un diable ». Le groupe de mots « très jeune parmi les insurgés » est une précision. Il peut donc être supprimé. « Se démène » s'accorde avec « Gavroche ». Autre exemple, les insurgés, dans la rue, chaque matin, montent une barricade. Les groupes de mots dans la rue et chaque matin sont également des précisions. Ils peuvent donc être supprimés. Monte s'accorde avec les insurgés. Si le sujet est un groupe nominal, il faudra bien l'analyser pour accorder correctement le verbe. En effet, si le sujet est un groupe nominal comportant un complément du nom ou une proposition subordonnée relative, le verbe s'accorde avec le nom noyau du groupe nominal. Regardez bien ces exemples. Les ceps de vigne ploient sous le raisin. Les ceps de vigne et le groupe nominal sujet. Le verbe ploie s'accorde avec le nom noyau cep de vigne et complément du nom. Le groupe des vendangeurs avance. Avance s'accorde avec groupe. Le groupe des vendangeurs et le groupe nominal sujet des vendangeurs et complément du nom. Pour l'autre exemple, les ceps que le soleil dessèche perdent leurs fruits. Perdent s'accorde avec cep qui est le nom noyau. Que le soleil dessèche et la proposition subordonnée relative. Quand le sujet est un groupe nominal commençant par un adverbe, beaucoup, peu, la plupart, trop, combien de, le verbe s'accorde alors à la troisième personne du pluriel. Par contre, quand le sujet est un groupe nominal commençant par les déterminants indéfinis, aucun ou aucune, chaque, nul ou nul au féminin, le verbe s'accorde toujours à la troisième personne du singulier. Dans la première phrase, la plupart de ces nouvelles expliquent le monde. La plupart est un adverbe et commence le groupe nominal sujet la plupart de ces nouvelles. Le verbe explique s'accorde donc à la troisième personne du pluriel. Chaque nouvelle explique le monde. Le groupe nominal sujet chaque nouvelle commence par un déterminant indéfini. Le verbe explique s'accorde donc à la troisième personne du singulier. Si le sujet est un verbe à l'infinitif, la règle est simple. Le verbe s'accorde toujours à la troisième personne du singulier. Par exemple, escalader présente des risques. Escalader est le verbe à l'infinitif sujet, présente le verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Enfin, si le sujet est le pronom relatif qui, le verbe de la proposition subordonnée relative s'accorde avec l'antécédent. Dans cet exemple, il y a trois propositions subordonnées relatives. Toi qui te promenais, tu entendis le cerf qui bramait et les chiens qui aboyaient. Promener s'accorde avec toi, bramer avec le cerf, aboyer avec les chiens, qui sont les antécédents des pronoms relatifs qui. Merci d'avoir suivi cette capsule vidéo, j'espère que ces petits rappels vous seront utiles.